Ok, voilà, j'y ai déjà. Ça, c'est l'aéroport. Là, on appelle partie. C'est-à-dire, bon, ici, c'est facile que je puisse avoir une place pour stationner. Donc, on appelle ça partie. C'est partir. Donc, voilà. Je dois chercher, m'arranger une place ici pour pouvoir laisser la voiture stationner. C'est pas gratuit, hein. Vous voyez déjà, donc, c'est pas gratuit. Donc, je laisse la voiture là-bas et je vais payer. En payant, c'est en sortant ici, sur ce bar ici. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais durer pour vraiment payer. Parce que ça se paye vraiment trop cher, comme vous le voyez là. Donc, maintenant, là, je pense que c'est dans ces liens ici. Si je trouve une place vide, je pense qu'il y en a. Il y en a, je vis là-bas. Tu vois là-bas? Oui, il y en a. Et c'est là que je vais laisser la voiture et puis je vais aller le prendre à l'intérieur. Eh bien, regardez les aventures que je trouve ici. Et 15 minutes, c'est combien? 10 minutes à 15 minutes, c'est 1 euro. Waouh! C'est vraiment cher! Donc, chaque 15 minutes, 2 euros. Ah non, 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 non. Ça, c'est vraiment trop cher. Alors, pourquoi je vous avais parlé d'avoir cette application ici qu'on appelle ViaVel? Comme moi, j'en ai, voilà, le mien, c'est ça. Donc, voilà. C'est ça ce que je vais utiliser parce que comme ça, payer à la main, je n'ai pas d'argent pour payer à la main. Je vais justement utiliser automatiquement cette application ViaVel. Ça facilite beaucoup, mais ce n'est pas ce qui est gratuit. C'est-à-dire, on va me retrancher automatiquement l'argent dans mon compte bancaire. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est cette application-là que vous voyez, ViaVel. Et c'est la même chose qui est ici sur la voiture. Donc, lorsque je passe là-bas, le caméra là-bas au-dessus, directement, c'est automatique. Mais ils vont retrancher l'argent dans ma voiture. Pardon, c'est pas ma voiture, dans mon compte bancaire. Donc, c'est pas gratuit. Et voilà, j'ai trouvé la place. Maintenant, j'ai laissé la voiture ici, justement. Et je vais aller de l'autre côté, là-bas, à l'intérieur. C'est là où je vais aller le prendre. Parce que je pense qu'il va descendre sur le terminal 1. Alors, je laisse la voiture dans ce côté-là. On y va la prendre. Donc je dois partir de l'autre côté là-bas. Là on appelle ça là où les gens arrivent. Je pense que souvent ça dépend, hein? Mais non, ça dépend pas. Ce n'est pas que ça dépend. Ça se trouve souvent toujours en bas. Donc je dois descendre en bas où je vais la prendre. Je pense que je dois descendre par ici. Donc je vais, comme je suis arrivé un peu, je ne sais pas si en retard ou comment, je vais un peu voir son avion, ça sortait de où. Ouais, je pense Casablanca. C'était ça, donc voilà. Donc je pense que le temps estimé d'arriver, pas encore. Pas encore. Mais c'était prévu à 7h ici. Je ne sais pas s'ils ont déjà atterri. Mais pas encore. Alors je vais voir ici à la sortie. Ouais, l'aéroport est vraiment plein. Hein? De l'autre côté, c'était ça. Parce que Togo, Casablanca, jusqu'ici, au Portugal. Donc ça, c'est partir. Il n'y a pas arrivé. Mais pratiquement, il est déjà de 24 parce que c'était à 15 qui devrait arriver. Je pense qu'ils ont déjà arrivé. Alors, je vais voir ici de l'autre côté s'ils sont déjà là. Je reste là où il y a des personnes pour voir vraiment s'ils sont déjà là. Pas encore. Mais lorsque je le vois, je le ferai directement signe. Parce que tous ces gens qui sont ici, ce sont des gens qui attendent le passager. Donc moi aussi, je dois me mettre ici pour attendre un peu. Where did you go when I needed you most?
Voilà, maintenant nous sommes là, arrivés à l'hôtel, là où on avait tout réservé. C'est l'hôtel ici, de ce côté ici, on va entrer. C'est vraiment au milieu de Lisbonne. Donc, toute la préparation, ça s'est fait dans notre site Joël J28 que vous connaissez déjà. Donc, on est ici, vous voyez, notre nouveau portugais, il est là. Il est en train de faire, d'arranger la malle. Le téléphone. On cherche ici le téléphone, si c'est tombé. Attendez, je vais taper. Donc c'est vraiment un hôtel génial. C'est vraiment un hôtel génial. Donc il y a deux ascenseurs, il y en a un là-bas, il y en a deux ici. Vous voyez déjà. Donc nous on va descendre ici. Donc voilà. Et le couloir de la chambre, c'est vraiment très très calme, très joli, très propre. Vous ne pouvez pas imaginer. Et voilà la vision de l'hôtel. En fait, on est déjà à l'intérieur de l'hôtel. Là, on avait réservé. Donc, c'est plein comme si c'est plein comme c'est plein. On avait qu'à avoir une chambre. Comment on dit partager? Une chambre partagée, oui. Donc, c'est une chambre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lits. Donc, chacun a son coin. Vous voyez? Donc, c'est bien organisé. Donc, c'est, si vous voyez comme ça, parce que la personne, la propriétaire de cette lit ici, a laissé comme ça, comme on dit en portugais, bangusado. Donc, en désordre. Mais chacun, lorsque vous venez, vous avez votre lit bien organisé. Il est là. Justement, si vous êtes à l'intérieur, vous fermez et vous dormez. Ah oui, ici en bas, c'est pour mettre vos trucs. Il y a aussi le drap, le tout qu'on sort. Donc, c'est vraiment bien et plus économique parce qu'il a payé beaucoup de jours qu'il va faire ici, mais avec une valeur raisonnable aussi. Donc, voilà. Mais lorsque vous venez, il faut toujours, vous savez déjà, je vous dis souvent, il faut organiser votre arrivée pour ne pas rester dans la rue. Et voilà. On a quelques problèmes. Les problèmes que mon ami a ici, c'est les problèmes de son téléphone. Qu'est-ce qui est arrivé? À la descente de l'aéroport, au parking, j'ai dû égarer mon téléphone. Et ça me pose des ennuis maintenant. Donc on a perdu le téléphone. On essaie d'appeler le téléphone, ça sonne, mais personne ne répond. On ne sait pas si il y a déjà une personne qui a déjà pris le téléphone ou pas encore. Donc on va essayer de voir si on peut... Qui est là? Il va essayer de nous expliquer vraiment un peu comment est-ce qu'il a trouvé son immigration. Lorsque je parle de l'immigration, je parle de passer justement sur l'aéroport. S'il avait eu des questions, il avait eu des complications, il avait eu tout ça. Je sais qu'on va essayer, qu'il va nous expliquer pour savoir un peu est-ce que c'était, comment ça s'est passé, comment, pour aussi que vous aussi, vous puissiez vous préparer. Parce que lorsqu'on parle de l'immigration, beaucoup de personnes ont peur. Ils ont peur de dire, de passer par l'immigration parce qu'ils posent des questions. Lui, il a contacté mon service, comme vous le savez déjà. Donc, il a eu son visa. Il est ici. Bon, je ne sais pas si on a compliqué sur l'immigration. Lui-même, il va vous parler. Alors, qu'on dit? Eh oui, bonsoir les amis. Voilà, je suis à Lisbonne. Je suis allé à Lisbonne avec notre ami. On va essayer de voir si c'est bien passé. Bon, je suis parti de Lomé hier à 3h du matin. Je suis arrivé à Casablanca autour de 8h. Et on a fait une pause à Casablanca pour reprendre le vol à 10h. On est arrivé à Lisbonne autour de midi 15, midi 45. Les formalités, il n'y a pas eu pas du tout de complications. Il y a juste les dossiers complets, les dossiers OK. Jusque le désagrément que j'ai eu, c'est d'avoir perdu mon téléphone. Mais Joël était là pour m'accompagner encore. On est parti chercher une SIM. Voilà la SIM. J'avais une vieille téléphone que je vais essayer d'activer pour pouvoir être en contact avec mes parents et mes amis. Donc je vous conseille vivement J28, l'agence de voyage qui rassure les gens. Il faut savoir, il a acheté son SIM
Mais il y a des gens qui disent qu'il faut toujours acheter en Europe, le SIM se vend toujours avec le passeport, avec l'identité, avec les cartes ID. Est-ce que tu achètes avec ton passeport? Non. Non. Tu vas dans un kiosque et tu achètes ta SIM. Oui. Donc ce n'est pas dit qu'il faut toujours utiliser votre passeport pour avoir une carte SIM. Si vous voulez être enregistré, avoir un numéro qui est avec qui porte votre nom, là vous pouvez utiliser votre passeport, acheter avec le passeport. Mais si vous voulez justement avoir le numéro comme ça, sans votre identité, vous pouvez en acheter, c'est ça. Sans passeport, il a son numéro. Alors, on est là. Malgré, je suis désolé, il vient de perdre son téléphone comme il a dit. Donc, on a pu trouver notre moyen d'avoir ce SIM ici. Alors, l'immigration, comment est-ce que tu as trouvé lorsque tu es venu à l'aéroport? Vous êtes descendu à l'aéroport. Vous avez fait des rangées, je pense. Ouais. Jusqu'à aller au contrôle, c'est ouais. Ça. C'est qu'on appelle ça, on appelle ça l'immigration. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on t'a dit là-bas, lorsque tu es arrivé là-bas? Sincèrement, Joël, il n'y a rien eu. Moi, c'est une dame qui m'a reçu, une dame du CEF. Ouais. Elle a juste regardé mon passeport, elle a contrôlé les choses, c'est ok, elle a juste mis le cachet et dit bon séjour. Donc moi je très facile. De soucis. Tu ne tremblais pas? Pas du tout, pas du tout. J'étais très confiant. Bon. Oh, je vous avais fait une vidéo, je vous avais parlé de l'immigration. Il y a ces gens-là qui se font refouler. Pourquoi? Parce qu'il est là, il est en train de trembler. Rien du tout, je vous parle toujours, je vous dis, il n'y a rien à trembler. Il n'y a rien à voir. La personne veut justement confirmer ce qui est dans votre passeport. Le visa, si c'est ok, il vous met le cachet, il vous laisse passer. Mais pourquoi vous avez toujours peur? Il y a une question qui m'a. Un de nos abonnés m'a demandé, qu'est-ce que je peux dire à l'aéroport une fois que je suis à l'aéroport? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut savoir qu'est-ce que vous allez venir faire au Portugal. Si vous êtes venu pour faire le tourisme, même on vous pose la question, vous êtes venu faire quoi au Portugal? Mais vous êtes venu faire du tourisme, c'est justement répondre. Alors qu'est-ce que vous voulez que moi je puisse vous dire? Non, lorsque vous arrivez à l'aéroport, il faut que vous dites ça. C'est pas important. Donc il est là, il a présenté son passeport à l'agent de l'immigration. Il a juste regardé, il a mis le cachet, il est là, sans problème. Justement, l'unique problème, c'est de laisser tomber le téléphone. Et les contacts sont partis. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu peux dire avec à tous nos frères et sœurs, les abonnés, et tous qui connaissent Joël? Je l'ai déjà dit et je le répète, je ne connaissais pas Joël. Je suis togolais, Joël est congolais. Jamais vu. Je ne l'ai jamais pas. Vu. Je l'ai découvert sur YouTube, par ses vidéos. J'ai dit, je vais l'essayer. Parce que je voulais immigrer. Donc je suis rentré en contact avec Joël. Très rapidement, le contact s'est fait entre nous deux. On a commencé par s'échanger. Il a constitué tous les dossiers pour moi. Il m'a envoyé ça par DHL que j'ai récupéré pour aller postuler à l'ambassade. Donc j'ai espéré, j'ai eu le visa et me voilà à Lisbonne. Donc je vous conseille vivement de faire confiance à l'agence J28 et vous ne serez pas déçus. Voilà, je suis là à Lisbonne, il ne m'a pas laissé tomber. Il m'accompagne toujours dans le processus pour que j'ai l'identité finale. Donc c'est ça. C'est ça. On est toujours là en train de travailler. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, donc je vais changer l'environnement ici, c'est déjà fatigué. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, je dis souvent, il faut toujours aller sur notre site parce que c'est sur notre site que vous avez toutes les informations, tous les services que vous voulez. Si vous voulez faire quoi, allez sur le site. Ce que vous allez voir, ce que vous allez trouver sur le site, c'est ce que nous on fait. Si vous ne trouvez rien du tout de ce que vous voulez, c'est-à-dire on ne fait pas. Alors, toutes les informations, ça se trouve justement dans notre site. Mon ami, il est là, il vient de Togo. On ne s'est jamais connu, on ne s'est jamais vu. Il m'a contacté sur YouTube. Comme là, c'est déjà une chaîne pour tout le monde. On est déjà une famille. Donc, celui qui a besoin de migrer au Portugal, je vous conseille toujours d'aller solliciter nos services. Il est là aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, mais ça dépend de personnes. La personne qui veut que je puisse le filmer pour qu'elle puisse passer ici et se présenter, se faire présenter qu'il a passé par mes services. Donc, il accepte, je le fais passer. Les autres ne le font pas passer parce que
C'est leur droit. Si la personne accepte, l'accepte. Si la personne n'accepte pas, je ne vais pas le faire passer ici pour dire que voilà, il vient de recevoir son visa ou il vient de voir son service par rapport à nos services. Donc voilà, il est là, donc le nouveau portugais bienvenu. Alors le reste, donc Dieu le sait. Et on est toujours en train de continuer dans le processus. Peut-être que ça, c'est une exposition. Oui, ça, c'est l'exposition. Maintenant, là-bas, il y a... on appelle quelqu'un, il va nous donner ça. C'est quoi le numéro? A13. Okay. Voilà, nous sommes ici. Le monsieur, comme vous le savez déjà, il a perdu son téléphone. Il veut s'offrir maintenant un téléphone. C'est ça. Donc, on regarde le téléphone ici. Donc, voilà. Il va acheter un téléphone. Parce qu'il faut avoir le téléphone pour être en contact avec les gens. Ok. Il y a toujours le téléphone. Voilà le nouveau téléphone qu'en fait on vient d'acheter. Qu'il vient d'acheter. Donc voilà. Il ne peut pas rester sans téléphone. Alors on avait qu'acheter un téléphone pour être en contact. C'est vraiment très important et très très important sinon, parce que lui il est à l'hôtel et moi je suis à la maison. Comment est-ce qu'on va être en contact? C'est justement à travers son téléphone qu'il vient d'acheter. Donc voilà. Non, on n'a plus bien grand chose à dire. Ils n'ont qu'à faire confiance en Jésus. Ok, d'accord. Là, maintenant là, je vais l'accompagner à l'hôtel. Et on se sépare parce que l'ami a besoin aussi de se reposer. Il a fait une grande distance de voyage. Et jusque-là, il ne s'est pas encore reposé. Il est en train de marcher, de résoudre des problèmes, des choses comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc, voilà. Alors, si vous avez vraiment aimé la vidéo, moi, je vous dis au revoir. On se voit pour la toute prochaine vidéo. Et chose grave, n'oubliez pas toujours de vous abonner si vous êtes nouveau sur ce canal. Alors, moi, je vous dis au revoir. À toute prochaine vidéo. Bye.